Gérard, allez, qui est bougon et tout. J'ai aussi un grand cœur, quoi. Et ça, vous l'avez pas vu. Ah non? L'image que vous avez de moi, elle est pas bonne, parce que quand vous me dites que j'en ai rien à foutre, que j'ai qu'à plaquer la porte et tout, parce que vous savez pas tout ce que j'ai entrepris dans ce truc, quoi. J'y vis que pour ça. C'était le rêve de mes parents d'avoir un restaurant. Moi, comme ils avaient mis de l'argent de côté, ils avaient dit, on ouvrira un restaurant, maman, elle fera la compta, et toi et ton père, comme celui qui m'a appris à cuisiner quand j'étais petit, vous allez aller dans la cuisine, et puis voilà, quoi. On a toujours été dans des métiers de bouche, donc, enfin, c'était la finalité de la suite, quoi. Donc, ils sont décédés trop jeunes. Ma mère, elle est décédée en 2013. D'un cancer foudroyant. Et à peine 2-3 ans après, mon père est décédé aussi d'un autre cancer aussi. En fait, c'est l'argent qu'ils m'ont légué qui a servi à acheter le restaurant. Et c'est grâce à leur héritage qu'on a ouvert ce restaurant. Et c'est compliqué parce que je me mets la pression. Je vis que pour ça. Je suis ouvert 7 jours sur 7. Je fais en moyenne 13 à 15 heures par jour. Je prends pas de vacances. Je pars pas en week-end. Faire rien d'autre. Quelque chose restant, quoi. Je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je rentre, c'est pour parler de ça. C'est pas évident.